各位朋友，这是位于巴黎第十区 République 附近 Yves Tudic 街的法中育婴托儿所。今天，法国社会党及巴黎市长候选人安娜·伊德尔戈女士将来这儿参观。伊德尔戈女士在巴黎第十区区长，并兼任她的竞选总部主任的 Rémi Féraud 等人的陪同下，来到了法中育婴托儿所。ISLC 语言文化辅导协会主席 Marc Paul 先生和 AFAB 法亚幼儿保育事务协会协调主管 Estelle de Parseval 女士对伊德尔戈女士的来访表示欢迎。Hello, bonjour. Et voilà. Donc je suis Denis. Très bien. Je suis là depuis septembre. Très bien. 2012. Donc on va visiter la crèche. D'accord, avec plaisir. Bonjour mesdames, bonjour les enfants. Bonjour. Ah, c'est le goûter. Bonjour. C'est le moment du goûter. D'accord. Il y a beaucoup de visiteurs. Bonjour. Merci. Ça va ? AFAB 法中育婴托儿所所长 Dominique Gauthier 向伊德尔戈女士介绍了托儿所的情况，并陪同她参观。Très bien, c'est sympa. Ouais. Mais c'est vraiment formidable, hein, ce que vous avez fait ici, hein. 在法国，托儿所和幼儿保育属于市镇一级地方政府的事权范围。伊德尔戈的竞选纲领的其中一个内容就是继续改善巴黎市的低龄幼儿的照看管理，提供更多的托儿所位置。居民意调查显示，很可能在三月份当选下一届巴黎市长的伊德尔戈女士访问 AFAB 旗下的法中托儿所，表明了他对 ISLC 主席 Marc Paul 先生最先发明创立的低龄幼儿法中双语文化照看模式的重视。法中育婴托儿所成立已经整整十年，目前 AFAB 法亚幼儿保育事务协会共有两家双语托儿所，总计管理托儿位置100多个。C'est Marc Paul, président de l'association, qui peut mieux le raconter, a ouvert d'autres structures, notamment de formation D'accord. au métier de la petite enfance, qui s'est ouvert dans le 19e. Ouais. Voilà, c'est ça. Deux crèches. D'accord. Celle-ci, on a ouvert depuis 10 ans, et puis la crèche à Rue Bello, D'accord. qui va être plus grande dans le 19e. On a créé une autre crèche, on a annoncé, qui a 72 places. C'est ça, dans le 19e. Qui n'est pas encore inaugurée, parce que les travaux ne sont pas... D'accord, terminés. On a des grosses difficultés là-dessus, mais bon, c'est en voie d'achèvement quand même. Oui, bien sûr. Et vous aurez d'autres projets derrière, non ? Ouais. Peut-être. Oui, bon, ben, on est preneurs. Hein. Merci. Voilà. Merci. Non, non, franchement, parce que d'abord, c'est une belle initiative, une belle expérience. Il y a de l'insertion, il y a du mélange, justement, tout ce qu'on me demandait tout à l'heure sur la télé, de comment mêler les cultures asiatiques et françaises à Paris. Je trouve que là, bah, ça parle de soi-même, hein. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Je vous remercie de la reconnaissance. Ah oui, vraiment, ce sont des belles initiatives. 谢谢您的收看。